Aujourd'hui à Up dans le Wok, on fait un lab au poulet, qui est un plat très commun au Laos et en Thaïlande. C'est un petit peu comme une salade de viande hachée, ça se mange avec du riz, des légumes croquants. Vous allez voir, c'est un vrai punch de saveur en bouche. On va voir rapidement les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, elle est sur notre blog et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous pourriez utiliser du poulet déjà haché si vous voulez sauver du temps. Par contre, c'est un petit peu plus sec, je trouve que c'est haché un peu trop finement. Personnellement, je hache mon poulet au couteau. Je préfère quand les morceaux sont un petit peu plus grossiers, ça ajoute de la texture et c'est plus juteux. Et là, vous avez le choix d'utiliser des hautes cuisses désossées ou des poitrines de poulet. Vous pouvez même faire moitié-moitié. Hachez-les jusqu'à temps que ça ait la texture que vous aimez. Et là, normalement, il n'y aurait pas de marinade dans le poulet. On pourrait le cuire directement comme ça, en le sautant dans la poêle avec un petit peu d'huile, ou en le faisant bouillir pour avoir une version un peu moins grasse. Mais nous, on aime ça quand ça goûte, donc on va mettre une cuillère à table de sauce de poisson. Moi, j'utilise la marque des trois crabes, vu que ça va être une des saveurs principales du plat. Mais si vous avez juste la marque Squid, allez-y avec ça, ça va être bien correct. Je mets aussi une cuillère à table de sucre, et une cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. La prochaine chose qu'on va préparer, c'est la poudre de riz grillé. C'est probablement un des ingrédients les plus importants. On ne peut pas appeler ça un lab si on ne met pas cette poudre-là. Vous aurez besoin de 3 cuillères à table de riz gluant non cuit, mais si vous n'êtes pas capable d'en trouver, vous pourriez aussi prendre du riz jasmin. On va mettre ça dans une poêle et juste pour parfumer ça un petit peu plus, on va mettre des feuilles de lime kaffir. Mes feuilles de lime ont un peu séché dans le congélateur, normalement ça ne serait pas aussi sec que ça. Bon, après avoir enlevé les tiges de feuilles, on met ça dans notre poêle avec le riz et on chauffe ça à feu moyen-élevé. On remue le riz de temps en temps et on va le cuire jusqu'à temps que ça soit brun. Et c'est normal si ça fait de la fumée, faites ça en dessous de la hotte pour pas faire partir votre détecteur. Faites juste attention pour pas brûler les grains de riz, faudrait pas que ça devienne brun comme des grains de café par exemple. Une fois qu'on a assez grillé le riz, on va le transférer dans un bol résistant à la chaleur. On va le laisser refroidir un petit peu avant de le moudre. Vous pourriez le réduire en poudre en utilisant un moulin à épices, mais pour ça, je préfère utiliser un mortier, ça va laisser les grains un petit peu plus grossiers, ça va faire plus de texture dans le plat. Et une fois que c'est réduit en poudre, on met ça de côté. Dans les assaisonnements qu'on va mettre dans le poulet, il va y avoir de la poudre de piment chili. Si on veut que ce soit encore plus goûteux, on va faire griller nos piments avant de les réduire en poudre. C'est une étape qui est facultative, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc on fait juste prendre les piments directement du sac comme ça, on les met dans la poêle, il n'y a pas de quantité précise, j'en fais tout le temps un petit peu plus que prévu. On chauffe ça à feu moyen élevé jusqu'à temps que les piments commencent à noircir un petit peu. Vous allez voir aussi, ça va sentir très bon. Et là on voit que ça commence à noircir un petit peu, on va les retirer du feu. Ça aussi, je vais les laisser refroidir un petit peu avant de les moudre. Ça, j'aime ça quand c'est une poudre quand même assez fine, je vais les passer directement dans le moulin à épices. Et si vous êtes un petit peu moins tolérant au piquant, mais que vous aimez quand même le goût du piment, vous pouvez les couper en deux, retirer les graines et après ça les griller, parce qu'il y a beaucoup du piquant qui est dans les graines. Bon, là il nous reste juste à couper nos ingrédients frais. On y va avec 3 gousses d'ail qu'on va hacher. Environ 70 g d'échalotes françaises qu'on va couper en julienne. Tout dépendant de la grosseur de nos échalotes, ça pourrait être entre 2 et 4. On coupe aussi une branche d'oignon vert en rondelles. Et j'en profite en même temps pour vous le demander, si vous aimez notre chaîne YouTube et que vous voulez nous aider, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un petit pouce sur la vidéo. On est maintenant rendu à préparer nos herbes fraîches. La plus importante, c'est la menthe. On va en couper un petit peu, environ un quart de tasse. Et ça, c'est la portion qui va être mélangée directement à la viande après sa cuisson. La menthe va noircir un petit peu à cause de la chaleur résiduelle. C'est pour ça qu'on n'en met pas une énorme quantité. On pourra ajouter un petit peu plus de menthe fraîche en garniture au moment de servir. Une autre herbe qui est souvent utilisée dans un lab, c'est la coriandre longue. On va la trouver plus spécifiquement dans les épiceries asiatiques, mais si vous n'êtes vraiment pas capable d'en trouver, vous pouvez la remplacer par de la coriandre régulière. Et on coupe ça en petits morceaux d'environ 5 mm. On a aussi de la coriandre ordinaire qu'on va hacher grossièrement. Puis finalement, on va presser une lime. On a besoin de 2 à 3 cuillères à table de jus au total. Des fois, on tombe sur des limes un petit peu moins juteuses. Prévoyez-en 2 juste au cas. Et une fois que nos ingrédients sont coupés, on peut passer au wok. On chauffe à feu moyen et on met un petit peu d'huile.
on ajoute l'ail et on fait revenir pendant 15 à 30 secondes. On veut que les morceaux d'ail commencent à griller légèrement. On ajoute le poulet et on va le cuire complètement. Si vous avez pris du poulet qui est déjà haché, faites juste tout le briser en petits morceaux tout au long de la cuisson. Une fois que c'est cuit, on éteint le feu et on laisse reposer pendant une minute. Si on ajoute tous nos ingrédients tout de suite, le jus de lime va être moins frais, les oignons vont un peu trop ramollir. Fait que le petit temps de repos de une minute, c'est juste pour s'assurer de la fraîcheur des ingrédients qui vont venir par la suite. Ça fait une minute, on ajoute les échalotes françaises, la poudre de piment chili, une cuillère à table de sauce de poisson, et encore là, je vais utiliser la marque des trois crabes. On met le jus de lime et moi je commence avec deux cuillères à table. On pourra ajuster après au besoin. Et la poudre de riz grillé, même chose, je vais commencer avec deux cuillères à table et on ajuste après. Et on mélange bien pendant 30 secondes. Rendu ici, on peut goûter pour voir si on veut ajuster avec plus de jus de lime et plus de poudre de riz grillé. Ça, on ajuste ça à nos goûts. Et une autre chose aussi, la poudre de riz grillé, on est supposé la mettre vraiment si on est prêt à manger le plat là. Si on veut préparer ce plat-là d'avance, la poudre de riz, on est mieux de la garder séparée et de la mettre juste au moment de manger. Parce que sinon, ça va tout absorber les liquides et on va perdre la petite texture qui est un peu granuleuse et croquante. Une fois que tout est mélangé, on va ajouter les oignons verts et toutes les fines herbes et on mélange bien. Fait que c'était pas plus compliqué que ça, on est déjà prêt à servir. En accompagnement, on peut mettre de la laitue. Moi, j'aime bien la laitue iceberg à cause du côté croquant. Et on va mettre aussi des petites tranches de concombre. Vous pourriez mettre en accompagnement n'importe quel légume croquant. Et pour les fines herbes, allez-y autant que vous voulez, vous pouvez en mettre à vos goûts. La menthe devrait quand même être la saveur principale parmi toutes les herbes, mais si vous voulez mettre du basilic thaï, il n'y a pas de problème, mettez-en. Et là, il y a plusieurs manières de manger ce plat-là. Premièrement, on peut le manger chaud ou on peut le manger tiède, température pièce. On peut le manger directement à la cuillère et alterner avec des bouchées de légumes croquants. On pourrait aussi mettre la viande sur un morceau de concombre ou de salade pour en faire une bouchée. Et souvent, ce plat-là, on va le manger avec du riz gluant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre une petite poignée avec les doigts de riz gluant et en même temps attraper une poignée de viande. Personnellement, j'aime mieux y aller avec une cuillère. Pour les amoureux de fines herbes asiatiques, ça c'est une recette à essayer absolument. Allez-y vraiment généreusement avec la menthe, c'est une saveur qui doit être là. Et vous allez voir que le petit goût de riz grillé est vraiment bon. Des belles saveurs exotiques, le goût de la lime est là, les fines herbes aussi. Une expérience unique parce qu'il n'y a juste pas d'équivalent à cette recette dans la cuisine occidentale. Excellent! Tu veux-tu goûter au riz? On va y aller avec du riz gluant, assaisonné. Non! Tu veux pas goûter? Tu veux-tu qu'on aille s'asseoir à ta chaise? Non! Non! Tu veux-tu avoir un piment? Tu veux un piment? Ah, ça, elle voudrait, juste parce que c'est rouge. On souffle. Petit bye-bye. Montre à tout le monde comment c'est bon, le bon riz. Ouvre ta bouche, t'as avalé? Bravo! Si vous avez des questions concernant nos recettes, vous pouvez venir nous les poser sur notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Merci d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Jack est un peu bavé.